au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, alléluia, que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu. Merci. Nous voulons acclamer pour notre Dieu. Son amour est immense. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres comme d'habitude là? Quand vous avez fini de saluer, vous pouvez rester debout parce que nous voulons immédiatement faire la lecture de la parole de Dieu. Prenez votre Bible dans Genèse 4, versets 1 à 10. Et puis je lirai aussi les versets 16. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et nous pouvons lire aussi le verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Acclamons pour la parole de Dieu et asseyons-nous. Merci. Donc nous sommes toujours en train de poursuivre cette succession de messages sur la guérison des blessures intérieures, la guérison des blessures du cœur, la guérison des blessures de l'âme, la guérison des blessures émotionnelles. J'ai la conviction que si quelqu'un prête attention à ses paroles, si quelqu'un s'efforce de retenir et de mettre en pratique, j'ai la conviction, dis-je, que cette personne va expérimenter la vie de liberté que Jésus est venu nous donner. La vie d'épanouissement, le bonheur que Dieu est venu nous apporter. Quelqu'un va expérimenter alors la paix véritable. Alors,
Vous savez, pour pouvoir parler de ses blessures intérieures, une difficulté s'est présentée à moi. Comment présenter ces blessures? Mais le Saint-Esprit m'a inspiré pour parler les différentes façons dont les blessures se présentent. Voyez, vous recevez quelqu'un, vous n'aurez pas à dire directement non, il a une blessure du cœur. Non, en écoutant et en voyant simplement parfois son comportement ou la plainte qu'il vient exprimer, alors on peut savoir. Alors, j'ai pu donc subdiviser les différentes manifestations des blessures intérieures. C'est comme ça que vous m'avez entendu parler du rejet, de l'angoisse, et aujourd'hui je vais parler de ce que j'appelle la blessure de la rébellion. Donc aujourd'hui, guérison de la blessure de rébellion. Parce que chez certaines personnes, il y a un sentiment de rébellion, il y a un sentiment de révolte en elles, après qu'ils ont été blessés. Mais tout de suite, je vous dis que chacun de nous, en venant dans ce monde, a déjà quelques germes de rébellion. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché. Le péché lui-même, c'est la première et la plus grande forme de rébellion. Rébellion contre Dieu. C'est comme ça que dans Éphésiens 2, verset 2, Paul dit, nous, les chrétiens, nous étions dans le passé, alors que nous étions encore pécheurs, nous étions des fils de la rébellion. Ça vient comme ça à la naissance. Sinon, qui peut nous expliquer comment un bébé de 9 mois, 10 mois, se fâche et va mordre le bout du sein de sa mère? Et ces tout petits enfants qui se battent là, qui n'ont que 2 ans, de quelle école de la boxe sont-ils sortis? C'est des choses qui viennent déjà en nous. Mais voici la définition que la rébellion, que le dictionnaire donne de la rébellion. Le dictionnaire dit ceci: la rébellion, c'est une révolte, un soulèvement, une insurrection, une résistance ouverte aux ordres de l'autorité légitime. Mais moi, en parlant des blessures, je résume cette définition en quelques mots. Très simplement, pour moi, la rébellion, c'est le refus de se soumettre à l'autorité établie. Mais vous savez, la rébellion peut prendre aussi plusieurs formes. Je voudrais en décrire 3. Lorsque quelqu'un est en rébellion, il peut réagir de cette façon-ci. 1. Par la fuite. La fuite loin de l'autorité établie. Et vous avez suivi, nous venons de lire l'histoire de Caïn. Caïn, blessé, déçu, parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. Il va tuer son frère et il va fuir. Nous avons dit que Caïn s'éloigna et alla habiter dans la terre de Nod, loin de la face de l'Éternel. On s'éloigne de la face de l'Éternel. C'est comme le fils prodigue, enfant prodigue, qui s'éloigne, qui va vivre loin de son père. Pourquoi? Parce que ils veulent la liberté, l'indépendance. Il n'y a pas question pour moi d'être surveillé, d'être bloqué là, sous l'autorité de papa. Non. Et combien aujourd'hui ne se sont-ils pas éloignés de l'autorité établie, éloignés des familles? C'est ce que je dis parfois quand j'ai l'occasion
de voyager, que je me retrouve à l'étranger, je parle. Parfois, ceux qui sont à l'étranger, c'est vrai, il y a des gens qui sont allés pour raison d'études, d'autres sont allés simplement pour tenter l'aventure. Mais j'ai dit qu'il y en a certains qui ont quitté le pays, leur pays, en fouillant, en cherchant à être loin de leur famille qui les a déçus, loin de leur papa, loin de la famille. Et ça se remarque parce qu'il y en a qui ont coupé les contacts. Combien de fois n'ai-je pas reçu des mamans qui disent « Pasteur, priez pour mon fils, il est parti, il n'y a pas de suite, ça fait des années, je ne sais pas où il est. » Mais voici aussi comment la rébellion peut se manifester, c'est sous forme d'une lutte ouverte contre l'autorité établie. Lutte ouverte contre l'autorité, la figure d'autorité, en vue de la renverser ou de la remplacer. Vous voyez, dans les domaines politiques, il y a des coups d'État. Il y a des coups d'État, certains coups d'État sont la conséquence du rejet, la fuite parce que quelqu'un s'est senti exclu. Allez, on forme une rébellion. Et la rébellion, ça ne badine pas, ça vient, s'il le faut, pour tuer celui qui est au pouvoir, sinon pour le remplacer. C'est dans tous les domaines. Vous savez, même en parlant toujours de la politique, l'opposition, il y a des opposants, des gens qui sont devenus opposants parce qu'ils ont été déçus. Ils se sont révoltés. Pourquoi? Parce qu'on m'a mis à l'écart. La rébellion, ça va partout, dans tous les domaines, pas seulement dans les familles, pas seulement dans les milieux politiques, même dans l'église. Quelqu'un peut être déçu, il entre en rébellion, il monte un complot et il part avec des armes. C'est la rébellion. Et troisième forme, je dis, manifestation, la rébellion, ça peut s'exprimer tout simplement par une désobéissance aux ordres de l'autorité établie. Désobéissance, donc refus d'obéir au moindre ordre, refus de faire un rapport, refus de se référer à l'autorité. Voilà. Mais les causes de la blessure de rébellion sont souvent aussi les mêmes. Et les causes des blessures, le rejet, le sentiment de rejet, le fait d'être exclu. J'ai parlé, par exemple, des opposants, certains opposants. Ah, on ne veut pas me prendre dans le gouvernement. Ok, je change de camp. Opposition. Les injustices, ça fait toujours des victimes de rejet. Licencier injustement du service, ça laisse quelque chose. J'ai parlé des injustices que j'ai subies, nous avons subies dans notre propre famille. Comment mon frère aîné a été carrément maltraité, rejeté par notre père. Et il s'est révolté. C'est comme ça que tout jeune, il est allé se jeter dans l'armée. À l'époque, division Camagnola. C'est là qu'il a péri lors des guerres de l'Est. Des paroles de malédiction, des paroles de blocage peuvent amener, soulever une révolte. Lorsque on va dire à quelqu'un, voilà la tante qui dit à sa nièce, toi, tu ne réussiras jamais. Toi, tu ne te marieras jamais. À moins que la poule, le coq ait des dents. Sinon, tu ne te marieras pas. C'est des paroles dures, mais qui peuvent provoquer une révolte. Des mauvaises nouvelles. Il y a des informations qu'il ne faut pas livrer.
Quand vous allez dire à quelqu'un, écoute, ta vie est bloquée, tu ne peux pas te marier parce que Dieu m'a révélé que c'est ton papa qui a fait de toi sa femme de nuit. J'exhorte, du moins nos pasteurs n'ont pas l'habitude de le faire, même dans le corps de Christ, je dis, s'il vous plaît, vous allez détruire des familles. Mettez-vous à la place de cette fille qui désormais sait que si ma vie est bloquée, c'est mon papa. C'est fini, vous avez créé quelque chose. Elle se révolte. Ce genre d'information. Et c'est pourquoi plusieurs se sont éloignés de leur famille. Parce qu'on leur a livré de telles informations. Les abus sexuels, j'y reviendrai toujours. Le viol, l'inceste. Ça mène une révolte. Vous savez, aujourd'hui, pour certaines filles, il ne faut pas leur parler mariage. Vous écouterez dans leur langage, ah, les hommes, hein, les hommes, les hommes, les hommes. Alors, les scènes dramatiques qu'on a vécues, surtout quand on grandissait, quand on a vu chaque fois les parents se battre. Un jeune homme s'est révolté contre son papa et commençait à traiter ce papa, ce type-là, ce bandit-là. Parce qu'il voyait comment ton papa tapait durement maman. Mais je voudrais parler, chers amis, comme je le fais souvent, un peu des conséquences qui arrivent. Ça veut dire, comment vous allez reconnaître que telle personne vit une blessure de rébellion. Je vais vous dire tout de suite que chez telle personne, chez de telles personnes, il y a un changement de comportement, changement même de caractère. Il y en a qui ont changé après la blessure reçue. Changé. Vous allez trouver par exemple chez ce genre de personnes l'agressivité. Ils sont devenus agressifs, il y a la colère. Il y a la rancune. Il y a des sentiments de vengeance. Vous avez entendu l'histoire de Caïn. Lorsqu'il a été déçu, nous avons vu dans le verset 8 de Genèse 4. Alors lui, il s'en est pris à son frère. Alors qu'ils étaient en chemin, il a adressé la parole. Ça veut dire que il s'est mis à provoquer, à agresser son frère et il a fini par le tuer. Oh, mes amis, il y en a qui sont devenus criminels. Des criminels à cause des blessures reçues. Beaucoup d'enfants rejetés dans la rue. Dans cet état, plusieurs sont devenus des criminels. Allez écouter un peu l'histoire de ces enfants Kuluna pour comprendre parfois d'où vient ce comportement. J'ai parlé de l'agressivité, mais il y a aussi ce qui change chez de telles personnes, c'est qu'ils n'ont plus de considération pour la vie humaine. Certains n'ont plus de considération pour la vie humaine. Caïn tue son frère. Dieu lui demande, Caïn, où est ton frère Abel? Écoutez la réponse. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Comment peut-on avoir un tel langage après avoir versé le sang de son frère? Ça me rappelle l'histoire de cette fille, cette jeune fille. Je ne sais plus en quelle année je m'étais entretenu avec elle. Mais je lui ai posé la question dans la cure d'âme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avorter? Elle dit oui, bien sûr. Est-ce que tu peux me dire combien de fois tu as avorté? Elle dit, ah, pasteur,
Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Ça veut dire autant de fois. Donc, la vie humaine, plus de considération. Et je raconte parfois l'histoire d'un collègue à l'université. Nous étions encore étudiants. Moi, je me souviens, moi, j'étais en premier doctorat. Il était en deuxième doctorat. Ce collègue pratiquait déjà des avortements. Et un jour, il était en train de célébrer son 100e avortement. Et il achetait la bière, tout ça, et il célébrait. Il célébrait le 100e centenaire des avortements. Donc, il n'y a aucune considération pour l'homme et pour la vie humaine. Et c'est là que justement, certains ont fait, quelqu'un a fait une étude sur la vie des dictateurs dans le monde. Dictateurs, tous ces chefs dictateurs. Et il s'est rendu compte en regardant leur vie jusqu'à celle de Hitler, qu'en fait, les grands dictateurs sont des gens qui ont été privés d'une bonne affection paternelle. Ils sont durs. On raconte que Idi Amin Dada, l'ancien président de l'Ouganda, qu'il avait tué plus de 1000 personnes de façon personnelle. Plus de 1000. Certains de ses adversaires politiques, il les jetait dans un étang plein de crocodiles. Ça ne lui disait rien. Ce sont des gens, ces dictateurs-là, regardez Hitler, ce sont des gens qui, vous le verrez, ils exaltent leur maman, mais ne disent pas quelque chose sur leur papa. On raconte qu'Idi Amin Dada, partout se déplaçait dans l'avion, il y avait toujours sa mère. Vous savez, les dictateurs sont prêts à construire des monuments pour leur mère. Mais papa, pourquoi? Parce que quelque chose leur a échappé dans leur vie. Je dis changement de caractère, je dis stop, pas de considération pour la vie humaine, mais il y a aussi le refus de pardonner. Une femme m'a posé la question, après qu'elle a écouté mes enseignements, et dit, mais pasteur Mbambi, tu parles tout le temps du pardon, pardon. Est-ce que je suis obligé de dire à quelqu'un que je lui ai pardonné? Pour moi, je pense que si quelqu'un m'a fait du mal, c'est simple. Je mets barre, une croix dessus, c'est fini. Elle n'existe plus pour moi. J'ai dit, mais alors là, tu n'as pas pardonné. J'ai dit, ok, ça va. Et si tu apprends que cette personne a commis un accident, accident grave, tu peux quand même aller visiter cette personne. Il me dit, pourquoi? Parce que j'ai déjà dit que pour moi, cette personne n'existe plus. Ah bon? Même si tu apprenais qu'il venait de mourir, tu n'irais pas au deuil. Mais je t'ai déjà dit, pasteur, que pour moi, cette personne n'existe plus pour moi. Donc vous voyez qu'elle a déjà tué elle-même cette personne dans son cœur. C'est dur, mais c'est cette agressivité, ce manque de considération pour la vie humaine. Alors, chers amis, il y a aussi quelque chose qui vient, qu'on peut voir dans de telles personnes, c'est le complexe de supériorité. Complexe de supériorité. Écoutez-moi, quand je parle de ces choses, un jour, j'ai parlé de cela dans une église protestante, en plein message. Il y a une fille qui a crié, elle est sortie de l'église. Pourquoi? Heureusement parce qu'après, quand on a annoncé que je pouvais recevoir, j'ai dit, ceux qui veulent être reçus doivent passer d'abord par le pasteur, c'est le pasteur qui va les recommander. Et ma grande surprise, cette fille était parmi les gens qui étaient venus me voir, me rendre visite pour parler de leurs problèmes. Elle a dit, pasteur, c'est moi qui étais sorti.
Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que c'est toute ma vie qui était en train d'être exposée. C'était trop fort. C'est pourquoi il faut quand même être attentif, parce que la guérison s'opère de cette manière. Complexe de supériorité, ça veut dire quoi? C'est des gens qui font tout pour prouver. Ils font tout pour prouver. Je me souviens, la seule fois que je suis allé au Gabon, à Libreville, la personne qui m'a aidé à voyager, c'est une dame. Elle était venue d'ailleurs ici. Parce qu'on voulait partir avec madame à prendre un peu de repos. Alors, nous arrivons au Gabon. Nous avons trouvé aussi sa sœur. Et on a quand même écouté l'histoire de ces filles. En fait, c'est des filles qui ont été tellement humiliées par leur papa. Un homme politique bien connu, un ancien politicien bien connu dans le pays. Il n'a eu que des filles, il n'a eu qu'un petit, un garçon. Alors tout le temps, chaque jour, c'était des paroles d'humiliation sur ces filles. Qu'est-ce que vous valez, vous? Vous ne valez rien. Quelle malchance pour moi d'avoir donné naissance à des filles. Et il les chosifiait, c'était comme des choses. Vous voyez, ces filles ont grandi comme ça, mais il y a eu un sentiment de révolte et se sont dit, nous allons prouver à notre papa que nous valons quelque chose. Alors, ils se sont mis à étudier. Et je vous dis, elles ont étudié. Elles ont décroché des diplômes dans des universités de l'Europe. France, Belgique. Quand vous écoutez ces femmes parler, il faut bien vous tenir parce qu'elles parlent bien. Des Français de haut niveau. Et celle que nous avons trouvée au Gabon était aussi dans une situation élevée, pas trop loin du président Bongo. Voyez, il fallait qu'ils puissent prouver à ses papas qu'elles étaient quelque chose. Mais parce qu'il y avait une blessure, parce qu'il y avait une révolte en elles. Je parle pas de l'ambition, il faut être ambitieux dans la vie. Mais je parle de faire quelque chose juste pour prouver. Ça montre qu'il y a quelque chose, un sentiment de révolte dans son cœur. Chez de telles personnes, vous savez, il y a la recherche de titres, toujours des titres très, très élevés. Des titres très élevés. En politique, quand tous les présidents s'appellent président, alors lui, il va chercher quelque chose qui soit au-dessus. Par exemple, maréchal. Mais non loin de nous, en République centrafricaine, un là-bas se dit, il y a déjà beaucoup de maréchal, c'est maréchaux. Alors maintenant, moi, c'est empereur. Et il s'est fait construire un trône. C'est un problème. C'est des gens qui n'ont pas besoin nécessairement que vous puissiez les encourager. Ils s'encouragent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas connu des encouragements dans leur enfance, dans leur vie. Des titres, vous savez, c'est à tout niveau, tous les niveaux. Vous entendez les musiciens? Des titres qui se donnent, il faut un titre qui soit au-dessus des autres. Le roi de la forêt. Nkuruyaka. Chef coutumier du village Boloka. Souverain. Seigneur Lay. C'est toujours au-dessus. Malheureusement, cette histoire est rentrée dans les milieux d'église aussi. À l'époque des évangélistes, il évangélise, mais après il se dit non, je deviens pasteur. Parce qu'il pense que ce sont des échelons. Je deviens pasteur. Combien de gens se sont fait ordonner juste pour montrer qu'il est monté de grade, de niveau. Et pourtant, c'est le même niveau, selon Dieu. Mais après, pasteur, non, mais maintenant, il faut que je devienne apôtre.
Vous savez, plusieurs personnes m'ont toujours dit, mais Pasteur Mbambe, mais tu es apôtre. Pourquoi est-ce que tu ne te fais pas consacrer apôtre? Parce qu'il demande des consécrations. Et puis, maintenant, bishop. Ben, tout le monde devient bishop. Allez, moi, je deviens archi-bishop. Au point que nous avons appris qu'à Kassavou, pour quelqu'un s'est dit, maintenant, comme il y a beaucoup d'archi, moi, je deviens archi-pape. Comme ça, on termine là. Archi-pape. Oh, mon Dieu. Alléluia. C'est que parfois chez de telles personnes révoltées, vous sentez la recherche de la puissance, la recherche du pouvoir. C'est comme ça que, avec cette blessure de rébellion, certains se sont jetés dans la magie pour avoir de l'argent, la puissance de l'argent. Malheureusement, là aussi, même dans les milieux des chrétiens, des serviteurs de Dieu, parce qu'on se sent humilié par la pauvreté, on n'hésite plus à aller toucher à l'occultisme pour avoir beaucoup d'argent. Mais il y a aussi la recherche de la force. Quand je parle de la recherche de la force, j'en sais quelque chose. Parce que moi qui vous parle, j'ai connu une humiliation dans ma vie. Humiliation. J'étais encore en troisième graduat de médecine. Ah, finalement, ma tété, toujours ma tété. Je suis descendu. Je descendais parfois les week-ends dans le quartier Bantandou où vivait mon oncle paternel. Mais un jour que je sortais, je crois qu'à l'époque, je sortais, il y avait un concert de Papa Wemba, juste dans les quartiers. Alors, je m'arrange pour aller. Mais quand je suis sur la rue, j'avance, je vois un gaillard qui se tient devant moi, comme ça. Je vais le contourner à droite, lui aussi se présente, bloqué. Je vais aller par la gauche. Il me bloquait là. J'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand je lui dis ça, qu'est-ce qui se passe? Ce gars, il m'a donné un coup ici qui m'a plié en deux. Je peux vous dire que je n'étais pas fort. J'ai eu la vie sauve parce qu'il y avait juste un ami du quartier. Il était un peu plus grand que moi. C'est lui qui est venu m'arracher des mains de ce gars-là. Quand je suis retourné au campus, j'étais un homme révolté. Je me suis dit, non, il faut devenir fort dans ce monde. C'est comme ça que j'ai commencé la formation de Jiu-Jitsu, qu'on appelle self-défense. Et mes amis, je m'y suis appliqué. On avait des entraînements durs. Tout en étant à l'université, dans le cercle sportif là-bas, nous passions des heures et des heures en train de développer notre musculature, tout ça. J'ai eu la ceinture jaune, mais j'ai visé plus loin. Je travaillais tellement durement que j'ai eu vite, vite la ceinture orange. De la ceinture orange, je suis passé à la ceinture verte. Il fallait me voir la poitrine bien gonflée, les muscles bien gonflés, les hanches tout petites. Tu pouvais voir de dehors, on dirait, mais dès que j'enlevais la chemise et que je me réchauffais, tous les paquets de muscles apparaissaient. Et vous savez, quand nous sommes allés en formation, le maître nous disait, c'est pour que vous ayez la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise de soi. Satan, c'est menteur. J'ai eu la ceinture verte et puis je suis passé de la ceinture verte à la ceinture bleue. C'était terrible. Après, je suis passé à la ceinture marron. Donc, il ne restait plus que j'avais la marron, il ne restait plus que la ceinture noire. Ah! Un jour, je suis allé en vacances dans les bas-fleuves là-bas, à Tchela.
J'étais avec les amis. Vous savez, je voulais quand même montrer aux gens que ce n'était pas le même qu'ils connaissaient auparavant. Je faisais mes entraînements publics devant chez nous à la maison. Et les jeunes venaient regarder. Et on faisait des commentaires. Ah, les grands, l'ex est devenu tellement fort. Parce que quand je faisais mes entraînements, les pompages, là, on pouvait faire pratiquement 50 rapidement. Mais là où c'était encore très spectaculaire, je pouvais faire des sauts impressionnants. J'ai dit un jour, les filles là où maman a étendu ses habits là, je vais sauter dessus. Je vais sauter. Maman était là, elle a entendu dire, Moana, c'est quoi que tu dis là? Ne fais pas ça, mon fils. Non, c'était mal me connaître à ce moment-là. Hey, tout le monde me regardait. Et puis, j'ai pris l'élan, la position. Quand j'ai foncé, j'ai sauté. Tu sautes là, tu vois. Ce n'est pas un saut à la perche. Ça, c'est un saut direct. Je saute. Et quand je vais pour tomber, maman crie, cet enfant va mourir. Non, j'ai roulé comme un pneu. Et puis après, j'étais debout. Alors, j'étais fier. Parce que j'étais devenu fort. Et comme vous savez, il a fallu seulement une petite occasion pour que je mette en pratique ce que j'avais appris. Ça n'a pas tardé, parce que nous sommes allés un jour, on est sortis avec les amis le soir pour prendre un verre. Mais c'est là qu'il y a un groupe de gens, des voyous qui nous ont taquinés. On a menacé l'un de mes amis. On a tapé dessus. Alors je me suis présenté. Je me suis tenu devant leur gaillard là. Je lui ai parlé, mais vous savez, ce monsieur, il m'a insulté. Dès qu'il m'a insulté, j'ai fait simple massage. Pah! Là, c'est à Témi, hein. Pah! Parce que nous, on brisait un peu des histoires, des briques, des planches avec ça. Ça a brisé, fendu ces deux lèvres ici en deux, les sangs giclés. Alors bien sûr que le match était terminé, ils ont fui et moi je rentrais fièrement parce que désormais j'étais connu, que j'étais fort. Mais tout ça pourquoi? Parce que j'avais été humilié. Combien de gens ne font-ils pas des choses aujourd'hui? Parce qu'ils ont été humiliés. Ils veulent le faire maintenant pour prouver. Ça ne marchait pas de cette manière-là. Amen. Bon écoutez, il y a aussi ce qui se passe chez des gens en rébellion, c'est, j'appelle ça, remplacement de la figure d'autorité par une autre. Ça veut dire que parce qu'il se rebelle contre son père, alors il va chercher quelqu'un d'autre qui va appeler son père. Même dans le monde spirituel, le monde de l'Église, je change de père spirituel. Parce que celui-là m'a déçu. Alors, cette femme qui est déçue dans son foyer parce qu'elle se sent rejetée, elle veut chercher quelqu'un d'autre qui serait aussi un mari pour elle. Et vice-versa, cet homme qui est déçu par sa femme va chercher une autre femme qui serait alors une femme pour elle. C'est pourquoi, chers amis, c'est pourquoi surtout je m'adresse aux mamans. La punition la plus stupide qu'on puisse donner à son mari, c'est de le sanctionner, lui dire embargo, c'est terminé. N'est-ce pas? On est là, dans le même lit, on a tracé la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. C'est la meilleure façon de livrer son mari. Ne le faites pas. J'ai béni le Seigneur parce que 34 ans de mariage, mon épouse et moi, on ne s'est jamais donné de telles punitions. Alléluia. On remplace quelque chose d'autre. Vous savez, même quelque chose d'aussi banal que la nourriture. Pendant que j'en parle, ça me fait penser à une femme que j'avais reçue. Une femme énorme, mais qui avait un visage d'enfant.
à peu près dans les 125 kilos, mais une jeune femme de 21 ans. Quand je lui avais demandé son âge, elle m'a dit 21 ans. Elle a vu un peu quelque chose sur mon visage. Elle a dit, oui, pasteur, je vois que ça te surprend. Ça surprend beaucoup de gens aussi. Mais moi, je n'étais pas comme ça. En fait, moi, il y a un homme qui est allé m'épouser à Goma, là-bas. Il venait de Kinshasa. Quand il m'a ramené ici, au début, c'était bien. Mais quelques temps après, il s'est mis à découcher. Il découche un jour par semaine, et puis deux, et puis maintenant une semaine, et puis c'était une histoire de mois. Et maintenant je vous parle, ça fait des mois. Je ne sais même pas où il est. On m'avait appris que cet homme qui allait t'épouser là, il a une femme, il a une famille. Alors, je n'avais aucune connaissance ici à Kinshasa. À qui me confier? Je me suis retrouvé comme en prison dans la maison là. À qui m'adresser? Que faire? Comment communiquer avec ma famille de Goma? Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des téléphones. Mais la seule occupation qui me restait à la maison, c'est passer souvent à la cuisine. Chaque fois préparer des petits mets et manger. J'étais mince, pasteur. Mais ça m'a changé mon appétit. Je voulais manger. Je peux prendre le matin à 8h, je déjeune. À 10h, si je sors un peu, je vois Kamundele, j'achète. Je n'ai pas encore ressorti vers 12h, je vois Coca, Lipa, je prends. Alors, tout le temps, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre du poids jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a une obésité de la famille, mais d'autres, c'est des obésités dues à des blessures intérieures. Chez les autres, ce n'est pas l'obésité, mais c'est l'amaigrissement, amaigrissement. Chez les autres, encore dans les foyers, c'est l'impuissance sexuelle. Terminé. Parce que l'homme déçu n'est vraiment plus, ne retrouve pas son état normal devant sa femme. Peu importe la beauté de la femme. Et du côté de la femme, si c'est là qu'il y a la déception, il y a ce qu'on appelle la frigidité. Plus question de sentir encore mon mari ou n'importe quel homme. Voilà ce qui peut se passer. Mais je suis là pour vous parler de la guérison. Vous savez, la rébellion, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin de sortir de là. Parce que ça, ce n'est pas la vie. Il n'y a pas de paix en ce moment-là. Mais quand Jésus te guérit, tu vas retrouver la vie normale. Tu vas trouver la paix, la liberté. Et je suis là pour cela. Alléluia. Mais je pense que c'est bon que je vous raconte l'histoire de Lydia. J'en parlais vraiment au début. Je vais revenir sur cette histoire. Lydia, c'est une fille. C'est aux États-Unis que ça se passe. Sa mère était malade, elle était hospitalisée. Elle souffrait d'un cancer. Et c'est Lydia qui allait souvent aider maman. Mais en même temps, elle a remis aussi en question l'école, parce qu'elle devait aussi vraiment s'occuper de ses frères, ses sœurs. Malheureusement, dans la suite, maman est décédée. Et maman est décédée. C'était un drame. Et puis un jour, papa appelle sa fille. Mais quand papa appelle sa fille, papa s'est trouvé dans la chambre. Je parle de la chambre conjugale. Elle appelle Lydia. Lydia entre et il dit à Lydia, ma fille, merci vraiment pour tous les sacrifices que tu as consentis. Et même l'école, tu n'y vas plus. Mais maintenant, je vais te demander d'aller plus loin pour continuer à assumer le rôle que ta mère assumait. Donc désormais, tu prends la place ici. Tu vas devoir dormir chaque fois ici. Vous savez, cette fille n'avait aucune idée.
encore que dans ces milieux d'Occident, ce qui se passe dans votre maison, à côté, on ne sait rien. Vice-versa. Et comme elle commençait à dormir là, papa en avait fait son partenaire sexuel. Résultat, grossesse. Elle ne savait pas très bien ce que signifiait la grossesse, sauf que un jour, elle a fini par dire à papa, « Mais ça fait depuis longtemps, je ne vois plus les menstruations, les règles. Et puis, regarde comment mon ventre est tenté de gonfler. Je ne sais pas, je suis malade. » Papa lui a dit, « Tu n'es pas malade. Mais il y a un enfant là. Cet enfant-là, quand il va naître, il ne doit pas t'appeler maman. Il doit t'appeler Yaya. » Et voilà, l'enfant est né. Sauf que, et l'enfant appelé Yaya. Et malheureusement, un jour, la petite sœur de Lydia, elle appelle sa grande sœur Lydia, « J'ai quand même quelque chose à te raconter. » C'est quoi? « Oh non, tu vois, moi, parfois quand tu n'es pas là, papa m'appelle aussi dans la chambre. » Et donc maintenant, je vois aussi mon ventre qui gonfle. Alors, Lydia était troublée. Elle a commencé à faire un programme pour fuir. Elle a réussi à fuir, à quitter la maison, toi paternelle, avec son fils. Elle est partie loin. Mais là où elle est partie, elle a rencontré Jésus-Christ. Elle a écouté la bonne nouvelle. Elle a rencontré Jésus-Christ. Elle est entrée aussi dans une école biblique. Et puis, à cette école biblique, un jour qu'ils étaient là, dans la salle, c'était le jour des témoignages un peu, parce qu'on disait que chacun puisse raconter quand même sa vie. Et quand c'était le tour de Lydia, elle est montée, mais quand elle racontait son histoire, il fallait voir les réactions dans la salle. « Hey, oh, c'est pas possible, non !» Non, oh, hey. Seulement quand Lydia parlait, elle ne se rendait pas compte que l'enfant qu'elle avait mis à l'arrêt pour que le bus de l'école vienne le prendre, le bus n'était pas passé encore. L'enfant jouait dehors, mais quand elle a aperçu que c'est sa mère qui parlait devant, l'enfant s'est approché et s'est mis derrière la porte. L'enfant a écouté presque toute l'histoire. Et pendant qu'elle parlait, à la grande surprise des gens, un enfant est entré dans la salle. Il est allé serrer Lydia dans les bras et crier, « Maman, maman, je savais que tu n'étais pas vraiment Yaya, mais tu étais ma mère. Je sentais cela. » Alors vous imaginez, il y avait des larmes dans cette salle-là. Il y en a qui criaient, « Mais cet homme, c'est un monstre, ainsi de suite. » Mais c'est ce jour-là que publiquement, parce qu'on a parlé du pardon ce jour-là, Lydia a promis de pardonner son père. Elle a promis même d'aller, de retourner, de lui dire. C'est comme ça qu'elle est rentrée chez son père avec le fils. Et elle lui a dit, « Papa, tu m'as fait beaucoup de mal. Tu as presque détruit ma vie. Mais Jésus est venu dans ma vie pour reconstruire ma vie. Tout a changé en moi. Papa, moi j'ai demandé pardon à Dieu à cause de sentiments de haine, de vengeance. Mais je te pardonne aussi. » Alors c'est papa, à la grande surprise de Lydia, lui aussi s'est écroulé par terre, il a pleuré. Il a dit, « Vraiment, je suis un monstre. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Pardonne-moi. »
aussi, ma fille. Pardonnez-moi, mes enfants. Et c'était la réconciliation, malgré tout. Ensuite, Lydia est retournée, là, et s'est mise souvent à témoigner de son histoire pour aider aussi les filles qui sont victimes de ce genre de choses, pour les amener à Jésus-Christ. Mais un jour, pendant qu'il témoignait, il y avait un homme qui était dans la salle, un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Juste à la fin de la réunion, cet homme s'est approché de Lydia. Il lui a dit, je t'aime et je vais t'épouser. Et ils se sont mariés. Ils ont fait former un bon foyer, ces deux-là. Un foyer heureux. Voilà. Parce que Lydia témoigne, ne s'est pas gênée. Parce que certains se gênent. Ils pensent que s'ils témoignent la vérité, ça va couper les chances. Non. Au contraire, Dieu a écouté. Dieu a béni Lydia. Elle s'est mariée. Ces deux, les couples, font le ministère ensemble. C'est une histoire réelle. Font le ministère ensemble comme serviteurs de Dieu. Ils témoignent, ils aident. Ils ont cette association pour aider les femmes, les filles victimes de ce genre de choses. Est-ce qu'on peut pas clamer pour le Seigneur? La guérison de cette blessure, c'est la repentance, chers amis. Comme le fils prodigue, l'enfant prodigue, il est parti. Il a fait ce qu'il a voulu. Mais il a constaté que ça n'a pas marché. Il est rentré en lui-même, s'est regardé. Et puis, il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Je me lèverai, je retournerai vers mon Père. Et il l'a fait, il est rentré vers l'autorité. Et quand il est rentré, nous connaissons l'histoire. Papa attendait, ils étaient dans la joie. C'était une grande fête. Donc, tu demandes pardon pour des résolutions que tu as prises, pour l'attitude que tu as adoptée, mais tu demandes l'aide du Seigneur pour pardonner aussi celui ou ceux qui t'ont fait un tel mal. On a dit amen. Que la femme retourne vers son mari, que le mari retourne vers son épouse, que les enfants retournent vers leurs parents. Amen. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. La Bible nous le dit dans Philippiens 2. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui n'a point considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Jésus. Il s'est dépouillé. Il est descendu. Il s'est fait homme. L'homme qui devait... Il s'est identifié à l'homme qui devait sauver. Il a obéi à son père. C'était dur ce que lui demandait son père. Mais il a obéi jusqu'à la mort. Et quelle mort? Une mort honteuse, la mort de la croix. Jésus nous a donné l'exemple de soumission à son père. Comme David, il avait un ennemi, son pire ennemi, c'était son roi même, Saoul. Saoul voulait tuer tout le temps David, le jeune David. David échappait toujours, mais David a eu aussi la possibilité de tuer, de se venger sur Saoul. Et les gens lui ont dit, mais tu peux le tuer maintenant, écoutez comment il répondait. Il dit, non, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Le respect vis-à-vis de l'autorité, la soumission. Je bénis le Seigneur, il m'a donné cette leçon très tôt, en début de ma vie spirituelle, chrétienne, spirituelle.
le respect de celui qui est au-dessus, la soumission à qui je dois soumission. David a été soumis, et vous savez, la récompense de David, Dieu a fini par l'élever et le faire roi à la place de Saül. C'est Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que vous entendez? Obéis simplement, fais cela, humilie-toi, soumets-toi, parce que demain, ce que Dieu va faire, il va changer des choses. Toi qui étais en bas, humilié, le Seigneur va t'élever au-dessus, tu seras honoré, comme le roi David. Enlève la colère. Jésus a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La rébellion bloque l'élévation. Mais dès que tu es guéri de la rébellion, l'élévation arrive. Des choses glorieuses t'attendent, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des choses glorieuses t'attendent. Obéis, humilie-toi, reste soumis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.